long d'une année along a year, et les jours qui nous ont précédés, and the days that came before ce changement this change, que nous voyons même au travers du monde aujourd'hui, today, que nous essayons de comprendre comment est important, how this is important, ce que nous sentons pour un chacun d'entre what nous. We're feeling for each and every one of sommes confidents ce jour we're confident this day, pour vous, for you, pour vos familles, for your families, et nous sommes ici and we're here, pour essayer and to try, de regarder le chemin et le voyage battu ensemble. To look on the journey that we fought together, comment nous atteindrons le but de nos vies. And how we're reaching the goal of our lives. Nous sommes ici comme d'habitude, we're here as usual, chercher une certaine réponse à certaines de nos questions. Answer to certain of the questions et nous croyons that we have. Que that we believe that notre vie présente that our present life et le futur and the future et les stratégies and the strategies que Dieu nous aide à utiliser son plan en nous et parmi may nous may God help us use his plan among us and in us ça sera quelque chose de grande importance this pour tout un chacun d'entre nous c'est ici un temps pour moi it's here a time for me d'être reconnaissant pour vous to be grateful for you pour votre amitié for your friendship et pour une communion ensemble and for a fellowship together nous croyons que nous allons atteindre and tous and we believe that we're all going le but qui nous est destiné. The purpose that was destined je souhaiterais à chacun d'entre and nous I would wish to every one of us comment avoir la joie and how to have joy comment avoir cette paix and how to have this peace et aussi ce and bonheur also ensemble this honor together et avec toutes nos familles and with all our families. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. C'est ici un temps pour moi it's here a time for me d'introduire maintenant to introduce la conduite now de nos jeunes the leading for our youth. Et ils vont en faire ce que Dieu a mis sur leur cœur. And they're going to do what God has put on their heart. God bless you. I will have Sister Rachel to introduce the children. Donc, on va laisser que la sœur Rachel puisse vous introduire. Que Dieu vous bénisse. We just want to say thank you once more to the pastor. Je voulais une fois de plus dire merci au pasteur. For giving us this opportunity. Pour nous avoir donné cette opportunité. This year we're not the only ones presenting. Cette année, nous ne serons pas seulement seuls en train de présenter. The Sunday school kids also has something to nous present. Avons aussi les enfants de l'école de l'image qui ont quelque chose à dire. And I'm here to just introduce them. Je suis ici juste pour introduire les enfants de l'école de l'image. And I will leave it to Christian to get us started. Et je vais laisser que Christian puisse commencer. God bless you. Que Dieu bénisse. For our theme, we are going to be explaining the star of Bethlehem revealed in the West and the full redemption. Que tu peux lever la voix, n'est-ce pas, recommencer. Nani. Micro, micro. Tu dis, can you repeat again? Our theme is going to be about the star of Bethlehem revealed in the West, the full redemption. OK, notre équipe va pouvoir présenter aujourd'hui l'étoile de Bethléem qui y a été révélée du côté de l'ouest pour la rédemption complète. We're gonna have five topics in this theme. Nous avons cinq sujets dans ce thème. And the first topic is going to be the Jesus' birth in the east. Le premier sujet démontre comment Jésus a été né à l'Est. Jesus' ministry. Ça va parler aussi du ministère de Jésus. Brother Branham's birth. Ça va parler aussi de la naissance de Frère Branham. And the last topic is going to be about the true Christmas. Et le dernier sujet dans le thème sera qu'est-ce que la vraie Noël? And with these five topics, we're going to talk about the meaning of Christ at the beginning with the coming of Jesus in the East. Nous allons, avec ce sujet, parler de la signification, l'importance de la venue de Christ à l'Est et aussi comment ça se répercute à l'Ouest. And the star of Bethlehem that rose in the East, representing the first coming of Jesus. L'étoile de Bethlehem à l'Est, c'est pour représenter la première venue de Christ. His birth was introduced by the angel Gabriel. Et sa naissance ou sa venue fut introduite par l'ange Gabriel. But Christ was introduced to the world by John the Baptist. Et la venue de Christ était à l'Est introduite par Jean-Baptiste ou le ministère de Jean-Baptiste. Like John,
Brother Branham came to introduce the second coming of Christ. Mais regardez que semblable à ce que Jean a fait à l'Est, Frère Branham est venu aussi pour introduire la seconde venue de Christ. For the complete of the redemption. Et c'est là, c'est dans un but de la rédemption complète. Now, as we read in the message, God's wrapped gift. Dans le message intitulé Les cadeaux emmaillotés, Dieu emmaillotant son cadeau. Paragraph 48. Au paragraphe 48. They asked for a sign. One day, he said, I'll give it to you. Ils avaient demandé un signe. Un jour, il leur a dit que je vais vous donner ce signe. It'll be a super sign. Et ça sera un signe super. It'll be a sign that will last through all ages. Il y aura, ça sera un signe qui va demeurer et qui sera maintenu comme ça pour tous les âges ou au travers des âges. A virgin shall conceive and bear a child. Une vierge va concevoir et elle va enfanter un enfant. A son, and they shall name his name Emmanuel. Et cet enfant, on lui donnera le nom et il sera appelé Emmanuel. That's the super sign. Ça, c'est le signe super de Dieu. That's the gift I'm going to give. Ça, c'est le don que je vais pouvoir donner. But it didn't come the way they was expecting it. Mais regardez que ce don, quand il est venu, il n'est pas venu de la manière que les humains de la terre s'y attendaient. And they turned it all down. Et ils l'ont réellement amené par terre. Ils l'ont brisé par terre. You can also find this in the scripture, Isaiah chapter 7, verse 14. C'est la même écriture ici interprétée par le prophète. Vous pouvez voir cela dans la Bible au travers de la prophétie d'Ésaïe. Chapitre, quel chapitre? Oui, chapitre. 7, verse 14. C'est le chapitre 7, verset 14. And for our first topic, we're going to talk about the three wise men. Maintenant, dans le premier sujet, nous parlons de trois sages. And I'm going to give this to Brother Branham. Je laisse que Frère Branham lui vienne présenter ça. This next topic we're going to be talking about is the three wise men. Et le sujet spécial que je vais pouvoir parler, c'est au sujet de trois hommes sages. Now, if we go in the Bible, Matthew 2, 1 up to 2, Si vous allez dans la Bible, dans Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 2, it says, now when Jesus was born, et il est écrit que maintenant Jésus était né, in Bethlehem of Judea. À Bethléem en Judée. In the days of Herod the king. C'était dans les jours du roi Hérode. Behold, there came wise men from the east. Et voici venir du côté de l'est trois hommes sages à Jérusalem. To Jerusalem. Okay. That is born king of the Jews. Et le verset 2 dit qu'ils étaient en train de dire où est né le roi des Juifs. For we have seen his star in the east. Parce que nous avons vu son étoile. And are come to worship him. Et nous sommes venus pour l'adorer. Now the three wise men saw the star and followed it. Nous voyons qu'ici que les trois hommes sages avaient vu une étoile. They understood that the star was a sign for the birth of the Messiah. Et ils ont compris que cette étoile signifiait la naissance du Messie. Because they were trained by Daniel to study the stars. C'est parce qu'ils ont été initiés ou entraînés par Daniel de pouvoir consulter les étoiles. Only the wise men saw the star because God gave them the vision. Et quand si on parle que ces trois sages avaient vu cette étoile, et en d'autres termes, Dieu leur avait donné une vision. And the knowledge and understanding. Et pas seulement une vision, il leur avait donné aussi une connaissance et une compréhension. And when the three wise men went to visit Jesus, et quand ces trois sages hommes sont allés pour adorer Jésus, they gave him three gifts. Ils ont aussi à leur tour donné trois dons. Gold. Il y avait l'or. Frankincense. Continuez. Myrrhe. Il y avait l'or, l'encens et la myrrhe. And all these three gifts meant something. Et si vous remarquez, tous ces trois dons ont une signification donnée. Gold meant deity. L'or signifie la divinité.
Frankincense meant service. L'encens signifie le service. And myrrh meant death. Et la myrrhe signifie la mort. These gifts meant God, the deity, came in service to death. Et quand on met tous les trois dons ensemble, ça nous donne une signification de Dieu ou bien la divinité en service pour mourir. Now we're going to pass it on to Brother Genovic to do Jesus' ministry. Je vais laisser que Genovic puisse continuer lui pour présenter. Mais qu'est-ce que le ministère de Jésus? God bless you. Que Dieu vous bénisse. Today I'll be talking about Jesus' ministry. Je vais parler du ministère de Jésus. The true sacrifice in the Old Testament. Le vrai sacrifice de l'Ancien Testament. Every sacrifice was to be clean before being sacrificed. La loi prévoyait qu'il devait être lavé d'abord avant d'être sacrifié. Jesus being the true sacrifice. Et Jésus étant le vrai sacrifice. He also needed to be cleaned. Et il avait besoin d'être lavé d'abord. And that's why he was baptized by John before. Et c'est en vertu de cela qu'il fut baptisé par Jean avant qu'il puisse aller au calvaire. Et faites attention, on parle de Jésus le corps. Before he went to Calvary. Et avant qu'il aille au calvaire. Now we'll read in the paragraph in the message why it had to be shepherd. Dans le message pourquoi c'était le berger. Paragraph 50. Paragraphe 50. And it says. Il est dit là. That's the reason he was led to Calvary. Ça c'est la raison pour laquelle il était conduit au calvaire. You cannot make a sheep walk the gangway to slaughter. Et vous ne pouvez pas laisser les moutons ou la brebis marcher vers l'endroit où il doit être tué. Did you know that? Est-ce que vous avez la connaissance de cela? In the slaughter yards. Et dans la partie où l'endroit où il doit être tué. They have a goat that leads the sheep. Vous verrez que le conducteur qui est là pour le conduire là où il doit être tué, c'est quoi? C'est un bouc. And when he gets up to where the killing place is. Et il va le conduire jusqu'à l'endroit où il va et où la place qu'il doit être tué. He jumps out and lets the sheep go. Et voilà l'habitude de ce bouc. Dès qu'il arrive là, lui saute et laisse la brebis ou les moutons être tués. A sheep has to be led. A sheep has to be led. Quoi? A sheep has to be led. Là, ça nous laisse voir que une brebis, sa caractéristique, sa nature, c'est être conduit. He can't lead himself. La brebis ne se conduit pas elle-même de soi-même. So therefore. Ainsi. It had to be the shepherd coming for his sheep. Il va y avoir un berger pour le conduire. When they found the God baby exactly where the messenger said he'd be. Et lorsque ces bergers ont trouvé le bébé Dieu exactement là où le messager, les anges, leur avaient dit qu'ils vont le trouver. And when they found this message of the messenger in the manger. Et dès qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé exactement le message du messager, mais où? Dans la place où le brebis mange. Exactly where the angel said it would be. Et exactement, c'est là où l'ange leur avait dit qu'ils vont le trouver. Now we'll pass this on to Sister Naum. On va laisser que la sœur Naum va récupérer. God bless you guys. Que Dieu bénisse. Today I'm going to be talking about Brother Branham's birth. Moi, je vais laisser les histoires de l'Est là. Je vais introduire moi l'Ouest, la naissance de Frère Branham. Brother Branham was born on a farm near Burkesville. Oh, Frère Branham était né où? On a farm near Burkesville. Il était né dans, disons un champ ou une ferme dans la ville de Burkesville. C'était, continue. On April 6, 1909. C'était le 6 avril 1909. Dawn was just breaking over the fields. Très tôt au matin ou la matinée, c'était juste le temps où on était en train de préparer le terrain. Sending a few rays of light into the room.
on a vu certains flashs de lumière et qui sont entrés dans la salle où le prophète, où l'enfant était né. When he was born. Quand il était né. With this light came a small circular halo. Et à partir de ces rayons de lumière, on a vu se former une forme circulaire de la lumière qu'on appelle un halo. About a foot in diameter. Et c'était environ comme un diamètre. Which shone with brightness above the bed. C'était pour montrer que la lumière brillante qui était au-dessus de ce petit lit. Where the mother and baby laid. Là où il y avait une maman et son bébé. This halo has since been seen by thousands of people. Et cet halo de lumière a été vu par de milliers de gens. And the same light was photographed in Houston, La même Texas. Lumière fut photographiée à Houston. During the January 1950 campaign. C'était au Texas dans l'année 1950 au mois de janvier lors d'une campagne. This photo shows the halo. Nous avons donné cette image pour vous montrer comment se forme l'halo de lumière. In his early life, dans la première partie de la vie de cet enfant, the voice of God spoke to him on several occasions. La voix de Dieu lui a parlé en différentes occasions, telling him not to drink smoke or to fill his lui disant de ne pas boire l'alcool, de ne pas fumer la cigarette, ni de tuer son corps. In any way, because he had work for him when de n'importe quelle façon, parce qu'il avait une certaine œuvre à accomplir avec lui quand il va grandir. In the message this day, the scripture is fulfilled. Dans le message, cette écriture s'est accomplie. 154. Paragraphe 154. It says, il est dit. And when I was standing there baptizing the 17th person. Et quand je me tenais là en train de baptiser la 17e personne. A light came down from heaven. Une lumière descendit du ciel. Shining down above there. Brillant et descendant là. Like a star falling from heaven. C'était semblable à une étoile qui descendait du ciel. A voice said. Et une voix dit. As John the Baptist was sent to forerun the first. Comme Jean-Baptiste était envoyé par excès de la première venue de Christ. Your message shall forerun his second coming. Ton message va aussi être précurseur de sa seconde venue. Into all the world. Dans le monde entier. This shows. Ça aussi montre que. The same way John the Baptist introduced Jesus. De la même manière que Jean-Baptiste avait introduit Jésus-Christ. In his first coming. Dans sa première venue. Brother Branham came to introduce Jesus. Frère Branham vint pour introduire aussi Jésus-Christ dans sa seconde venue. God bless you guys. I'm gonna pass it on to je vais passer. Sharon and John. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Today, me and John will talk about Brother Branham's history. Aujourd'hui, moi et Jean, si c'est Jean-Baptiste lui-même, nous sommes venus aussi pour vous introduire le ministère de Jésus-Christ. In his second coming, he did not come as a lamb to die again, but he came to complete the work of salvation. Redemption and to reveal the seals as the Son of God. Dans sa seconde venue, comme ce qu'il n'avait pas fait, comme étant un agneau qui était venu mourir, encore, mais ici, il est venu pour compléter l'œuvre du salut, la rédemption, et nous révéler les sept sceaux comme le Fils de Dieu. Today, Christ has to be born in the soul of the believers. Aujourd'hui, la nouvelle, ce n'est pas catholique, église, c'est la naissance de Christ qui doit être né dans une âme, l'âme de ceux qui sont des vrais croyants. And that's the true Christmas gift. Et c'est ce qui est la véritable Noël de Christ ou le don véritable de Noël de Christ. Well, I'm going to talk about the first, second, and third poles. Et je vais ici parler de ce qu'on appelle premier pôle, second pôle et troisième pôle. And those poles are the signs that accompanies Brother Branham's ministry. Et ça, ce sont des signes qui ont accompagné le ministère de Frère Branham.
There are those signs, there are three phrases. Et il y a deux signes ici avec trois phases. Deux signes, mais trois phases. In the first pool, God used him with the gift of divine healing. Dans le premier pool, Dieu a utilisé son prophète comme un don de la guérison divine. In the second pool, God used him with the gift of discernment. Et dans le deuxième pool, Dieu a utilisé son prophète dans le don de discernement. And the third pool was the revelation of the seventh seal. Et le troisième pool, c'était la révélation de sept sceaux. And this is the phrase that introduced Christ's second coming. Et ce troisième pôle, la révélation de sept sceaux, voici la phase qui avait introduit la seconde venue de Christ. Which happened in 1963 at the descending of the cloud. Et ceci était arrivé en 1963 depuis la descente de la nuée. Now I'm going to read the message of the Anointed One at the end time. Je vais vous lire une citation du message Les Uns du Temps de la Fin. Paragraph 359. Paragraph 359. Notice that very day when the messenger. Not when he started on it, but when he began to declare his message. Okay. Le véritable jour où ce messager va, pas quand il va commencer à prêcher, mais quand il commence à déclarer son message. See the first pole healing, second pole prophesying, and the third pole. Regardez, le premier pole c'était la guérison, le second pole c'était la prophétie qui continuait, et le troisième pole c'est l'ouverture de la parole. The mystery is revealed. Et les mystères ont été révélés. No more, there is no more higher order to reveal the word than prophets. Il n'y a plus encore, ni ne sera plus encore un ordre plus élevé. J'ai besoin que ça soit retenu, l'ordre le plus élevé qui puisse réellement révéler la parole qui, si ce n'est pas le prophète. But the only way the prophet can be vindicated is by the word. Et écoutez encore. La seule façon ou la seule manière qu'un prophète puisse être confirmé, c'est toujours par la parole. Pas par les signes, pas par les miracles, par la parole. And remember, the third pole is the opening of the seven seals. Mais là, le prophète dit, rappelez-vous, le troisième pole était l'ouverture de cette sceau, la révélation de la vérité qui a été cachée, et cela était scellé dans la parole. To reveal the hidden truth that is sealed in the word. Do you see it? Et voyez-vous cela, la congrégation dit Amen. Oh, non, je comprends tout la congrégation. Now we're going to read the next message, the healing of Jairus' daughter. Je vais lire la deuxième brochure à ceux qui ne pensent pas que moi, Sharon, je connais aussi les citations. C'est la guérison de la fille de Jairus. Paragraph 67. Paragraph 67. Paragraph 67. Now, if Jesus has rose... Et maintenant, si Jésus était ressuscité, what his contention is and what is my ministry is. Bon, maintenant, qu'est-ce que ma contention et quel sera mon ministère? Is to contend that Jesus Christ, the Son of God, is not dead. Et comment je puis être, c'est d'être content. Hein? Je vais répéter bien parce que j'ai besoin d'avoir un peu la joie avant de terminer la citation. Dit, si Jésus est ressuscité d'entre les morts, quel va être ma, disons un terme simple, quelle va être ma joie? Comment je vais être content dans ma vie? Et qu'est-ce qui va être mon ministère? Si c'est être content de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui n'est pas mort. His body sitting on the throne of God in glory. Son corps est assis sur le trône de Dieu dans la gloire. But the spirit that is in him. Son esprit en majuscule est à l'intérieur de lui. He is right here now in the church moving among his people. Et il est ici maintenant dans l'église en train de se mouvoir parmi son peuple. That is according to his word. Ça c'est selon ce qui est dit dans la parole. For the last Arrêtons talk. Un moment. For the last talk, we'll give it to Sister Ruth. Bon. Où est Jésus qui est ressuscité? Où est Jésus qui est ressuscité? On va voir qui s'est contenté du... Oh bon, là, c'est la vraie Noël.
God bless you, brothers and sisters. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. And for in conclusion, we'll be talking about true Christmas. Moi, je viens juste pour conclure le tout. Ça parle de qu'est-ce qu'est la vraie Noël. We'll be reading in the message. We have seen his star and have come to worship him. Je vous prouverai que je connais aussi lire les citations. We'll be reading in the message. We have seen his star and have come to worship him. Paragraph 4. La première brochure que je vais lire, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Au paragraphe 4. What if there wasn't a real Christmas? Qu'est-ce qui va être s'il n'y avait pas la véritable Noël? If there had not been a real Christmas. S'il n'y avait pas la vraie Noël, well, things wouldn't be the way they are tonight. Les choses ne devraient être pas de la manière dont elles sont ce soir ou cette nuit. Nous disons ce jour. If there wasn't a Christmas, there wouldn't be no salvation. S'il n'y avait pas la Noël, c'est qu'on ne pouvait pas avoir le salut plus de plus. And now that we are facing Christmas again. Et maintenant, nous sommes en train de faire face. Nous faisons face maintenant à une autre Noël. It's too bad that we have changed it. Et il dit, c'est vraiment très mauvais que nous n'avons pas changé cela. The real meaning of it. La véritable signification de cela. Being the birth of Jesus. C'est être l'être, être hein, la naissance même de Jésus. Until just. Jusqu'à ce que. Well, it looked like that Santa Claus has taken the place of bien, Christ in Christmas. Mais aujourd'hui, au lieu d'être la naissance, un être naissance de Jésus, on est en train de regarder tout autour, on obéit là, Santa. And in some fiction of a Kris Kringle coming down a chimney. Santa, on le place pour prendre la place de la Noël et faire une fiction. With a sack of toys on his back. Où on va nous laisser quelque chose qui va faire sortir une fumée et on va mettre là, derrière là, quelques jouets. That visits the whole world in one night. Et on fait que cet endroit, on puisse faire visiter tout le monde dans une seule nuit. And I don't even know what you think about it. Et je ne connais pas, qu'est-ce que vous êtes en train de penser à ce sujet? It's all right if you want to tell your children that. C'est juste là, si tu veux dire à tes enfants, ça se trouve là. But I was taught and thought. But I was taught and thought. Ok, mais j'étais aussi parlé de cela. The scripture said. Et moi, la pensée que j'ai de ce que l'écriture a dit. Thou shalt not lie. Il dit, il n'y aura pas le mensonge. Ça ne mentira pas. And someday they're going to ask you. Un jour, ils vont te demander si. Is this Jesus the same thing that Santa Claus is? Est-ce que Jésus, c'est la même chose que nous voyons de Santa ici? When they find out that there's no Santa Claus. Et ils n'ont pas découvert que Santa n'est pas là. So I best think it best myself. Ma meilleure pensée et ma manière de penser. C'est penser le meilleur de moi-même, mon véritable moi, le véritable moi, le moi idéal, le meilleur moi. C'est ça ce qu'il faut penser comme étant la vraie Noël. That might not be your idea. Ok. Et il dit, mais cela peut ne pas être votre propre idée. I'm not telling you how to raise your children. Bon, je ne serai pas ici en train de vous parler comment vous allez élever vos enfants. But if they catch you lying on that. Si il dit si ils peuvent réellement saisir les mensonges qu'il y a à l'intérieur de cela. Then they're going to say someday that maybe this other is a lie also. Alors ils diront un jour que peut-être il doit y avoir un autre mensonge qui est là. So just tell them the truth. Dis-leur seulement la vérité. The straight truth. Et cette vérité-là, que ça soit une vérité stricte. And they'll know how to. Et tu vas voir que ces enfants vont connaître comment. And what you mean. Et ce que tu essayes de signifier, il y a comment
Et ce que cela a comme signification, ce que cela a comme signification, quelle est la valeur qui est dans cela? So no matter how bad the outside looks. Bon, ainsi, peu importe comment les gens du dehors et dans ce monde, ça paraît très mauvais comment. And what they're going to do out there. Et qu'est-ce qu'ils feront là derrière ou dehors? That should not bother us from making Christmas what it should be. Ça, ça ne peut pas nous déranger que nous, si. Et les nôtres, nous puissions donner la vraie signification de qu'est-ce que la vraie Noël. Si. Vous voyez ça? Abayawana, tu m'as dit Abayawana. Répétez, il est oui. You can repeat the last sentence. That should not bother us from making what Christmas it should be. Kwashi barite habita tu deranger kichwapana. Bile biguna fanyika inji. Endelesha, comment ça il est ça? Si. Est-ce que mudaona? Okay. Maintenant ils ont vu, on peut continuer. And now we'll read paragraph 215. Au paragraphe 215. I am wishing you all the very merriest of Christmas that God will send his star. Je suis en train de vous souhaiter le meilleur de Noël, Dieu qui nous a envoyé son étoile à partir de l'Est. From the East. Cette étoile qui s'est levée de partir de l'Est. That rose in the East 1900 years ago. C'était depuis 1900 ans. And will guide you to the word made flesh. Et cela nous avait conduit à retrouver Dieu, la parole qui a été faite chair. God bless you all and thank you. Que Dieu vous bénisse tous. For coming nous vous remercions. Here, for coming here to listen to our presentation. Have a Merry Christmas. Nous étions ici pour vous présenter notre présentation. Nous vous souhaitons joyeux Noël.